C'est un nouveau pari gagné dans le combat du juste prix des produits surgelés sur le marché. Impossible hier, à ce jour, la population de Kinshasa peut acheter un kilo de chinchard Piodi 16+ à 2000 francs congolais et le carton à 65 000 francs au lieu de 95 000 francs congolais. 30 000 francs congolais épargnés pour le bonheur des commerçants et des ménages. On a seulement 65 000. Donc on a 95 000, mais nous avons 65 000. Pas quitté. Papa, papa. Non, il y a pas de ma commandition. 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 Il y a pas de ma Le gouvernement, par le truchement du ministre de l'économie nationale, a réalisé une promesse que d'aucuns pensaient irréalisable. Les poissons chinchard de juste prix sont donc disponibles. L'opération de vente de ces produits importés de la Namibie et bien conservés sont donc à la disposition des opérateurs économiques congolais et de leur réseau de distribution. Au rond-point Ngaba, le lot sont disponibles à la satisfaction générale. Trois noms dans les lèvres des Quinois. Celui du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, du premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde, et du ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba Yuma. Les Quinois disent un grand merci. En tout cas, le gouvernement est Oyo. Il y a Fatia Oume la Penja. Le président de la République, ministre économie, Longonia papa, doit le coumou, ministre économie. Ministre économie, doit le coumou, n'y a pas de zapona yo, na ya fachi. Ya fachi, oui, mais la ministre économie, fongola misu. Oza mwana mboka, biloko zapona biso bandeko na yo, balé ki no ba mama na yo, ba tata na oba mama na yo. Amatadi Kibala aussi. Et c'est un gouton de bisou makas. Papa Fachi béton. Toi papa béton au lobaki. Poisson et kiti. To sepeli makasi. Toko prier makasi pour na yo papa au rumela. Alimete Kingabwa, tous les quatre districts de Kinshasa y sont concernés. Le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba Yuma, monsieur Juste Prix, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Les efforts sont donc fournis dans ce sens pour permettre aux Congolais d'acheter à un prix juste.